des goûts du terroir, bienvenue. Aujourd'hui, votre magazine d'art culinaire de Gabon Culture s'invite chez la charmante Sui Tinzong pour une recette simple mais ô combien efficace, l'inamovible poulet frit à l'odica. Sur ce, sans transition, rejoignons-la ensemble. Bonjour Wilma, comment vas-tu? Ça va bien, merci, et toi? Ça va. Mesure barrière oblige, hein? Vraiment, le coronavirus ne nous lâche pas. Sois la bienvenue. Merci, je suis très contente d'être là pour l'exécution de ta recette du jour. D'accord, on va commencer. D'accord. Aujourd'hui, j'ai prévu de faire le poulet frit à l'odica. Donc, tu vas être mon assistante pendant quelques temps. Et si j'ai besoin de quelque chose, je t'en dis. Forcément. Ok. D'accord. Et par quoi vas-tu commencer? Bon, pour réaliser ma recette aujourd'hui, voilà les condiments que j'ai prévus. Nous avons là le poivron, l'oignon, le poireau, l'échalote. Ça, c'est le persil frisé. Le persil plat, il y a la basilic et il y a quelques feuilles d'épinards. Par ici, nous avons le poivre noir, le curcuma, le gingembre en poudre. J'aime bien le gingembre en poudre. Il y a le sel, bien évidemment, avec les feuilles de l'oreiller et de l'ail. Et sans oublier l'odica lui-même. Alors, si tu nettoies le poulet avec de l'eau bouillante ou de l'eau juste frémissante? De l'eau bouillante. Bouillante, hein? Oui. D'accord. Et pour gagner en temps, je vais mettre le complément. Et ça, c'est un manioc de quelle origine? Il vient d'où? Ce manioc vient de Bitam et fait par ma maman. C'est vrai, ça? Oui. Waouh, super! Et toi aussi, tu en fais? Je n'en fais pas, mais je sais comment ça se passe. Ah, okay. Parce que je suis la fille de sa mère, donc quand maman fait, on est à côté. Tu pourrais en faire si tu avais l'occasion de le faire. Bien sûr. Quand je suis avec elle, je fais avec elle. D'accord. Mais je ne le fais pas régulièrement. En fait. Parfait. Okay. Donc là, la cuisse, le poulet, tu vas nous la laisser entière ou tu comptes la découper? Je vais la cuire entière. D'accord, ça c'est ta préférence à toi? Oui, je préfère ça comme ça. Okay. Et c'est un plat que tu aimes bien consommer généralement? Oui, j'aime bien. Déjà que c'est un plat de chez moi. Et on a grandi avec. Quand on compte les plats de chez nous, l'odica en fait partie. Mais chez moi, on n'appelle pas ça l'odica. Hein? Ah bon? Comment on l'appelle chez toi? Chez moi, c'est le ndok. Ah oui. Ndok, enfant. Exactement. Après, il faut rappeler aux téléspectateurs que le ndok ou encore odica ou chocolat indigène est la noix issue du
manguier sauvage. Donc on extrait la noix de manguier sauvage qu'on torréfie, n'est-ce pas, qu'on torréfie, et ensuite on extrait cette amande là et ça donne la belle poudre que voici qui sert généralement à la préparation de nos recettes. Alors ensuite, on y va à quelle étape là? Je finis de nettoyer maintenant à l'eau froide parce qu'il faut rincer. Après, je coupe un peu pour que la saveur aille à l'intérieur de la viande. Parce que si on frit ça tout simplement comme ça, après, quand on va manger, on ne va pas trop ressentir les condiments. Ah, ok, c'est pour que tout puisse s'imprégner à l'intérieur. Voilà. Donc, je vais mariner d'abord avec le sel pour faire frire. Ok. Ça reste le temps que je mette l'huile au feu. Ah d'accord, non, prends le poulet, tu okay, mets ça dans l'huile. Merci. Bon, là j'ai terminé la découpe des condiments. Je vais vérifier si le manioc est déjà bon. Mmh, ouais, notre, c'est bon. C'est notre bon manioc, ça vient de revient d'où? De Bitam. De Bitam, tout c'est, droit. Tout droit de Bitam. Voilà, sans escale. Non, sans escale, directement. Avec un bon manioc. C'est un très bon manioc. D'accord. Tiens, on fera ta preuve tout à l'heure. Généralement, le manioc qu'on dit, le manioc dit d'Anisov, qui vient d'où? Le manioc d'Anisov vient de Bitam, mais ce n'est pas celui-là que ma mère fait. C'est semblable au manioc d'Anisov, mais il est meilleur que le manioc d'Anisov. Il est meilleur! Oh là là, nous sommes en toutes les prétentions. En tout cas, la recette de maman est toujours la recette garantie. N'est-ce pas? On est sur notre poulet qui est en train de frire. Donc, on vérifie. C'est bientôt. Pas à point, juste un peu frit parce qu'on ne le mange pas comme ça. Après, on va le mettre au feu doux dans le ndo. Quand on va faire la sauce de ndo. Dans la sauce. Voilà, quand on va faire la sauce de ndo, quelques minutes après. Que la sauce est commencé à bouillir, on va mettre le poulet à l'intérieur. D'accord. Donc on ne peut pas le frire à point. Okay. Là, il est bon déjà. On va l'enlever pour commencer la sauce. Huile massa pour moi. Hein? Bien sûr, mieux vaut rien que comme ça. Déjà. Et l'idée est. On va passer
à la sauce. Alors donc, explique-moi, Suti. Là, de ce pas, on va procéder à la préparation uniquement de la sauce. Oui. Avec tous les ingrédients que voici. Oui. D'accord. On attend que ça chauffe un peu. Après, on met juste un peu d'huile. Pourquoi juste un peu d'huile? Tu sembles insister sur juste un peu d'huile. Parce que beaucoup d'huile, c'est pas bon pour la santé. Donc, il faut modérer quand on prépare. J'ai déjà frit le poulet avec de l'huile. Donc, je vais plus aussi mettre beaucoup d'huile dans la sauce. Sinon, après, parfait, on ne prend pas soin de l'huile. Le cholestérol, là. Je crois que là, c'est bon. Je vais commencer par mettre deux pincées de sel. Attends, Suti, dis-moi pourquoi tu commences à mettre le sel avant? C'est ma touche personnelle. Vous savez que, tu sais qu'en cuisine, chacune de nous a ses petits rituels. Voilà. D'accord. Ok. Après, je vais mettre l'oignon. Je mets l'oignon. Je vais tourner. Ça sent bon. L'oignon est excellent pour la santé dans la prévention des maladies cardiovasculaires. Lorsque l'oignon est à moitié cuit, j'ajoute la tomate. La tomate. Maintenant, je peux mettre des condiments verts. D'accord. Oh là là, qu'est-ce que ça sent bon, Cécile. Merci. Je vais ajouter quelques pincées de poivre noir au-dessus. Je saupoudre ça au-dessus avec le curcuma. Le gingembre. Oh là là, c'est beau, hein. Visuellement, on a de belles couleurs qui ressortent. J'ai même un peu de mal à croire qu'on va faire une sauce au dica, là. Et je continue de tourner. Là, je vais mettre des épinards. Épinards. Même les épinards pour continuer de tourner. Et là, je vais passer à l'action même du jour. C'est le dica qu'on attendait. Je mélange avec les ingrédients qui sont déjà à moitié cuits. Je mets d'abord un peu. Est-ce que tu peux me dire s'il s'agit là de le dica gluant ou non gluant? Dodica gluant. Gluant, d'accord, c'est celui que tu apprécies le plus. Oui. Là, quand tu manges le ndoc gluant, là, tu sais que tu manges le ndoc en fait. Donc, il faut que ça soit gluant. Si ce n'est pas gluant, ce n'est plus ça. Donc, les amis, c'est mort. Si votre ndoc n'est pas gluant, c'est que vous n'avez pas mangé de ndoc. Wilma, tu peux me passer de l'eau, s'il te plaît. Merci. Le ndoc, c'est l'appellation de chez moi. On appelle ça ndoc chez nous. L'habitam. On a très bien compris qu'habitam, ça s'appelle ndoc. Voilà. Maintenant, je vais ajouter la feuille de l'oreiller avec la boule de pin, le fruit de pin. Je préfère ne pas découper. Parce que quand on va manger, on mange avec
Pour que ça ne soit pas épicé en même temps. Donc, on va laisser mijoter. Combien de temps approximativement? Disons 10 minutes environ. On laisse mijoter avant de mettre le poulet. Là, nous allons passer à l'ouverture de notre manioc cuisiné par ma très chère maman. Depuis où? Depuis Bitam. Exactement. Tu vas voir d'abord la texture. Ok. Manioc local fait artisanalement. Mbon. Ah! Ça, c'est le manioc de chez moi. Mbon. 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 Tu appliques Mbon. D'accord. Voilà. Mbon. Je vais me régaler. Vraiment. Ouais, c'est du lourd. Et on voit très bien que la texture est particulière. Voici, ça c'est le manioc de ma mère. Ça n'a rien à voir avec le manioc d'Agnizok. Certes, le manioc d'Agnizok est le manioc de chez moi également. Mais ça c'est, elle fait ça, elle a ça touche à elle. Oui. Voilà, okay. Elle a ça touche à elle. Ça n'a pas un nom particulier, comme on dit le manioc d'Agnizok, tout c'est un bon. Donc, c'est sa façon à elle de faire et qu'elle nous a transmise d'ailleurs. D'accord. Alors là, celui-ci, j'ai hâte. Hein. Avec tout. Vraiment, ce que tu n'as, comme commentaire sur tu n'as pas tort d'avoir hâte. Ce manioc, pour le réaliser, déjà tu ne vas pas trouver les écorces de manioc à l'intérieur parce qu'elles passent ça au filtre. Voilà. Là, c'est le ndok bouillon. Après, on met le poulet. Après, on met le poulet semi-frit. Et là, c'est parti pour combien de minutes? C'est parti pour environ 5 minutes à feu doux. D'accord. Il faut que ça mijote. Nous sommes à la fin de notre cuisson. Je crois que là c'est bon. On arrête le feu. C'est bon. Là, c'est bon. C'est prêt? Oui, c'est prêt. Oh, me voici heureuse. Voilà. Et la sauce est très crémeuse. Ah oui, il faut que ça soit gluant, il faut que ça soit lourd. Pour être dans le vrai ndok en fait. D'accord. Quand c'est lolo là, ce n'est plus le ndok. En tout cas, chez nous, à Bitam, c'est comme ça. Alors, chers téléspectateurs, petite transition par Bitam pour découvrir notre succulent ndok. Voici arrivé à l'étape ultime, chers téléspectateurs. La dégustation, c'est tout de suite. Waouh, Sweetie, me voilà bien gâtée. C'est beau. C'est un festival de couleurs avec cette touche particulière qui rappelle Sweetie's en cuisine. Waouh, je suis époustouflée. Maintenant, Sweetie, je vais passer à la dégustation. Par quoi me conseilles-tu de commencer? Tu es tombé plusieurs fois, tu t'es relevé. La vie là, c'est la foi, la mort, c'est le péché. Et ensuite, pardonner aux autres, c'est difficile à faire. Tu manges le permet pas des pièges de l'ici. Moi, ce que je veux faire, c'est goûter d'abord le manioc de maman. Enfant du Tandima, princesse de nos côtes. Un manioc, mais vraiment sans transition. Le manioc uniquement. Moi, j'aime mes atouts. Ce qu'on aime ou t'aime, on t'aime bien pour nous. Maman Laura, les ondes détruisent les foyers.
mais par le sang du Christ, les nôtres sont épargnés. Il est parfait. La texture fondante et surtout en bouche, on a un petit truc d'élasticité. C'est juste ce qu'il faut comme il faut. Voilà, tout de suite, je vais goûter avec la succulente sauce de Ndok. Alors, bravo à ma maman pour le manioc. J'en suis très fière parce que moi-même, j'en raffole. Alors, bon appétit. Et... merci, Suti, merci. Super, Suti. Comme je le disais en début d'émission, c'est une recette simple mais efficace. Voilà. Poulet frit, Odika. Voici dans cette assiette tous les ingrédients réunis pour faire notre bonheur. Sans oublier la prononciation. Tout droit revenu de Bitam parce que Madame Suti insiste le Ndok. Merci, Suti. Voilà. Je vais continuer à déguster parce que c'est trop bon. Alors, Suti, nous voici ravis. C'est beau, c'est fin, c'est terroir. Quel est ton mot de la fin à l'endroit de nos téléspectateurs? J'invite tous les téléspectateurs qui nous ont regardés aujourd'hui à essayer ma recette chez eux en suivant étape par étape, comme je l'ai expliqué avec ma cuisine. Et voir si c'est la texture en sinon le Ndok on le mange lui en jour. Quand c'est léger, ce n'est plus ça. D'accord. Ça c'est chez nous. Super. Chers téléspectateurs, nous voici arrivés au terme de votre programme favori, Saveurs d'ici. Je vous invite, comme Madame Suti vient de vous le dire, à reproduire cette recette. Sur ce, soyez heureux, la vie est belle. Mwene weyombo, mungongo ubebele tatembe.